Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes surtout en pleine forme. Salut et bienvenue à toutes les personnes qui ont décidé de venir me joindre ce soir pour ce webinaire. Salut Céline Brièvre, salut Joralie, salut Len, salut Linda, salut Yvonne, salut Miss Lee. Je suis extrêmement contente de vous avoir. Salut à toutes les personnes qui vont écouter le replay. Et toutes celles qui sont en live, bienvenue à ce webinaire sur comment augmenter immédiatement vos revenus en tant que prestateur de services et attirer de nouveaux clients de manière prévisible. Ici, je vais vous montrer exactement le processus pour pouvoir propulser votre entreprise de services. Donc, si vous êtes coach, consultant, avocat, si vous avez une formation en ligne ou si vous voulez lancer une formation en ligne, cette formation, c'est pour vous. Juste dans les commentaires, me dites dans quelle ville est-ce que vous m'écoutez en ce moment, d'où est-ce que vous m'entendez, d'où est-ce que vous suivez ce webinaire en ce moment. J'aimerais bien savoir où est-ce que tout le monde vient, d'où est-ce que vous venez les filles. L'ENSI de Paris, super! Qui d'autre? D'où est-ce que vous m'écoutez les filles en ce moment? De Guyane, super! D'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? C'est génial de voir toutes les personnes qui sont connectées de partout dans le monde. Moi, je suis à Gatineau, au Canada. On a Yvonne de Paris. On a vraiment tous les membres qui sont vraiment un peu partout. C'est génial. Je suis extrêmement contente, les filles, de vous avoir parmi nous ce soir. Ça va être un super moment ensemble. Juste vite fait, avant qu'on aille trop loin, Lucilla de Guadeloupe, c'est génial. Contente que tu sois des nôtres, Lucilla. Alright. So, juste fait, avant qu'on aille trop loin, j'aimerais juste vous dire ceci, les filles. Si vous avez des questions, écrivez-le dans le chat. Vous allez voir juste en bas de votre écran, il y a un truc qui est écrit Q et R. Q et R. Si votre plateforme est en anglais, ça va être écrit Q et A. OK? Et allez là-dessus pour écrire votre question. À la fin de ce live, j'irai répondre à toutes les questions et on va manquer aucune question. All right? Ça, c'est une promesse. Je vais manquer aucune question. Donc, juste écrire vos questions à cet endroit-là, pas dans les commentaires, pas dans le chat, mais plutôt à Q et R, juste en bas de votre écran, ou Q&A, si votre plateforme, si votre interface est en anglais. Donc, concentrons-nous. Bienvenue à ce webinaire sur comment augmenter immédiatement vos revenus en tant que prestataire de services et surtout attirer de nouveaux clients de manière prévisible. OK? La raison pour laquelle j'insiste sur le mot prévisible, c'est parce que j'ai mis le mot prévisible, c'est simplement parce que plusieurs personnes réussissent à attirer des clients de temps à autre, mais de manière prévisible et surtout de manière constante, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Donc, dans cette formation, je vais vous inviter à ne pas être égoïste, OK? Parce que vous allez découvrir des secrets d'entreprise, vous allez utiliser, si vous utilisez ce que je vais vous montrer ici, ça va faire une grande différence dans votre entreprise, dans votre vie entrepreneuriale, dans votre vie en général. Alors, ne soyez pas égoïste dans le sens où ne prenez pas cette information et vous allez juste le garder dans votre armoire ou dans votre bibliothèque électronique de toutes les autres formations que vous avez prises. Prenez-la, et appliquez l'information. Et c'est à partir de là que vous allez voir une réelle différence. Donc, juste un vite fait, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. D'ailleurs, je ne crois pas au principe de devenir riche du jour au lendemain. Je crois au principe où on travaille fort et on devient riche par la suite parce qu'on a fait un effort. Mais non, ce n'est pas dit qu'il faut se sacrifier constamment, mais il faut travailler, OK? Alors oui, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, mais vous allez devenir riche beaucoup plus rapidement avec le contenu que je vais vous partager ici,
OK? Alors, le contenu que je vais vous partager durant cette formation, elle va vous permettre d'économiser des années d'essais et d'erreurs, de gaspillage d'argent et de frustration. Ça va vraiment vous aider à raccourcir la route du succès de votre entreprise de consultation et de remplir rapidement votre pratique seulement quelques mois. Vous allez réussir aussi à augmenter vos revenus, à gagner plus de temps, à modifier ce qui ne fonctionne pas dans votre entreprise, parce que je vais vous montrer qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et surtout à traverser le plafond de revenus actuel. Donc, si dans les derniers mois, vous avez remarqué que vous avez atteint un certain plafond, peut-être vous êtes à 5 000 $, vous n'arrivez pas à passer le 5 000 $ ou 5 000 €, cette formation va vraiment vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout traverser ce plafond qui vous est imposé d'une certaine manière. Donc, vite fait, il n'y a rien avant, je n'ai rien avant à la fin de ce webinaire. Je sais que c'est très populaire de voir des webinaires où à la fin vous proposez d'acheter quelque chose. Moi, je n'ai rien avant, j'ai juste du bon contenu à vous donner et une opportunité de folie qui va être présentée à ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Donc, si tu es jusqu'à la fin, tu vas pouvoir entendre l'opportunité que j'ai pour toi et à partir de ce moment-là, tu pourras me dire si ça t'intéresse ou pas. All right? Alors, je devine si tu es dans ce webinaire, si tu as été attiré par une de mes publicités, mes publications, peu importe, c'est que vous êtes quelqu'un de bien volonté, de bonne volonté, pardon. J'imagine que vous êtes quelqu'un de bien volonté, de bonne volonté, que vous faites le travail, vous avez votre entreprise, vous faites le travail, et souvent ça vous arrive de ne même pas dormir parce que vous travaillez, ok? Et du coup, vous demandez souvent, c'est quoi le point manquant ou qu'est-ce qui me manque? Parce que je fais le travail, puis j'ai de la bonne volonté, puis j'essaie de vraiment aider les autres, puis j'ai cette passion-là que je veux monétiser, mais qu'est-ce qu'il manque? Ça ne marche juste pas. Et si c'est la question que vous posez, j'aimerais vous demander si, est-ce que vous n'avez actuellement peut-être pas en ce moment le processus pour attirer les clients de manière régulière? Peut-être que vous n'avez pas un processus pour attirer régulièrement des clients. Mois après mois. OK? Et peut-être que vous n'avez pas été enseigné sur comment faire pour pouvoir attirer la clientèle concrètement. Right? Alors oui, vous pataugez un peu. Et c'est un peu normal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gagné. Je suis la fondatrice du mouvement Hello les filles chiffres. Et je suis là pour faire de vous un entrepreneur de lumière. J'ai aidé plusieurs entrepreneurs, des coachs, des consultants, des prestataires de services à générer des 6 chiffres, 100 000 €, 100 000 $ et plus comme CA dans leur entreprise. Et ma question est-ce que vous êtes le suivant? Ce que je fais en fait, c'est pour vous permettre d'être plus féminine, en même temps plus efficace. Parce que oui, on veut être en affaires, puis oui, on est en affaires, mais on ne veut pas surtout être en affaires avec une énergie extrêmement masculine où on est tout le temps dans le go et go, 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 et qu'on se détache un peu du cœur, right? On ne se sent pas aligné. Je vais vous montrer comment réussir en affaires tout en étant aligné avec qui vous êtes réellement. Et tout ça, c'est pour vous permettre aussi d'avoir un plus grand plaisir dans votre travail, pour avoir du fun dans ce que vous faites. Il ne soit juste pas à propos de servir le client, puis attirer les clients, puis vendre, 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 mais que ce soit surtout à propos de qu'est-ce que vous aimez réellement faire, de l'alignement, la connexion avec qu'est-ce que vous faites et le résultat que vos clients puissent réussissent à avoir. Et tout ça, c'est dans le but de vous permettre d'avoir de l'autonomie, de la paix d'esprit et la liberté financière. J'ai créé une entreprise en ligne dont je suis vraiment fière, car cette entreprise m'a permis de vraiment créer... Pardon, de vraiment aider les personnes partout dans le monde. OK? J'aimerais vous faire découvrir comment est-ce que j'y suis arrivée pour que vous soyez en mesure de faire la même chose. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure d'attirer la clientèle et de clôturer autant de ventes que vous aimeriez réellement. Puis là, j'aimerais vous inviter à ce qu'on voit ces raisons-là ensemble. La première des raisons pour laquelle peut-être ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que la mise en place d'un schéma clair pour attirer des clients n'a pas été une priorité pour vous. Donc, les choses ne peuvent pas continuer comme ça, vous le savez. Parce que vous n'avez pas un schéma clair pour convertir un étranger en client. La raison numéro 2, c'est que vous essayez probablement de vendre vos services avec une énergie extrêmement masculine au lieu de permettre aux clients de se vendre à vous, right? Parce que n'oubliez pas, les gens aiment acheter, oui, mais ils détestent lorsqu'ils ont l'impression d'être vendus quand on leur vend quelque chose. La raison numéro 3 pour laquelle peut-être ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous essayez de servir tout le monde au même moment. Donc, vous n'arrivez pas à vous décider sur qui votre clientèle idéale. Donc, comme oui, vous avez un client idéal dans votre tête, mais
en même temps, vous voulez aider Joseph, en même temps, vous voulez aider Samantha, en même temps, vous voulez aider Jessica. Mais Joseph, il a 50 ans, Samantha a 20 ans et Jessica a 13 ans. Et vous voulez aider toutes ces personnes au même moment. Et du coup, c'est très difficile au niveau de votre communication parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur qui est-ce que vous allez réellement faire payer. La raison numéro 4 pour laquelle ça peut ne pas fonctionner pour vous maintenant, c'est que vous ne savez pas concrètement quoi faire. Alors, vous essayez de tout faire sans vraiment maîtriser quoi que ce soit. On vous dit qu'Instagram fonctionne depuis Instagram, Snapchat depuis Snapchat, LinkedIn depuis LinkedIn. Il faut un blog, vous lancez un blog. Il faut YouTube, vous lancez YouTube. Vous êtes un peu partout en train d'essayer tout et n'importe quoi. Et ça, ça ne fonctionne pas pour vous. La raison numéro 5, c'est que vous essayez probablement de vendre de manière logique. Mais vous ne réalisez pas que les gens achètent du cœur. C'est une décision qui vient du cœur, right? La prise de décision pour acheter ce que vous offrez est émotionnelle et pas tout le temps ou pas forcément intellectuelle ou logique tout le temps. La raison numéro 6, c'est que vous ne faites peut-être pas le lien entre la valeur de ce que vos clients vont obtenir et le coût d'investissement. Alors, parce que vous ne savez pas faire ce lien-là, lorsque les gens arrivent et qu'ils sont intéressés par ce que vous offrez, ils sont à un moment donné comme choqués par l'étiquette. Dans le sens qu'ils regardent, ils se disent « Oh, 3000 euros pour ça! » Right? Et du coup, vous entendez des phrases fréquentes de « Ah, c'est trop cher! Oh, je ne peux pas me permettre. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les finances pour ça. » Donc, vous écoutez plutôt ce genre d'excuses. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment faire la connexion entre la valeur et le coût. La raison numéro 7, c'est que vous essayez peut-être d'imiter les autres. Vous copiez les autres, vous copiez le matériel marketing des autres, leur style de communication. Et donc, il y a vraiment un déséquilibre entre qu'est-ce que vous faites réellement et qu'est-ce que votre site Internet et le message que vous publiez sur les réseaux sociaux dit. C'est comme plusieurs messages différents parce que vous êtes là en train de copier ou d'imiter les autres. Vous n'avez jamais vraiment pris le temps de vous asseoir et de voir c'est quoi que vous faites concrètement. Quelle est votre communication? Quel est votre style de communication? Et donc, ça fait aussi que vous attirez la mauvaise clientèle. Donc oui, les gens viennent à vous, mais ce n'est pas votre clientèle idéale. Ou les gens viennent à vous, ils achètent, et après, ils ne reviennent plus. Ou ils sont déçus. Parce que par rapport à votre message que vous avez publié sur les réseaux sociaux, votre site internet, et qu'est-ce que vous faites concrètement, ce n'était pas tout à fait ça qu'ils pensaient que vous faites. La raison numéro 8, et c'est la dernière raison, c'est que votre mindset autour de la conscience de la richesse peut avoir besoin de quelques modifications. En fait, de ne pas continuer à assimiler les ventes au regret, right? Donc, vous sentez peut-être coupable de faire la vente ou vous évitez complètement de faire la vente. Donc, oui, vous savez qu'il faut vendre. Oui, vous savez qu'une entreprise doit avoir des appels de vente ou communiquer par rapport à inviter les gens à acheter ce que vous avez offert. Vous avez tellement peur de parler de vente ou parler d'argent que soit vous l'évitez complètement, soit vous le faites vraiment de manière au regret, right? Sans engagement. C'est qui fait en sorte que les gens finissent par un peu vous fuir. Ou que vous finissez par fuir les gens qui sont réellement intéressés par ce que vous offrez. Ça, c'est juste quelques raisons. Ce sont juste quelques raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de propulser votre entreprise. Ce n'est pas tout, mais c'est les raisons les plus communes que j'ai rencontrées au cours de mes années en affaires. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas besoin d'être comme ça. Les choses peuvent complètement changer. Ça peut être complètement différent. Parce que vous n'êtes pas le problème. Ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris à attirer de la clientèle et à faire des ventes d'une manière authentique et simple. En fait, imaginez qu'on vous demande de faire un gâteau au fromage, peu importe le plat que vous ne connaissez pas faire, un plat que vous aimez, mais vous ne connaissez pas faire. Et qu'on vous donne, on ne vous donne pas la recette. On donne tous les ingrédients, mais on ne vous donne pas la recette. Est-ce que vous allez vraiment être en mesure de faire ce gâteau au fromage rapidement? Même avec les ingrédients? La réponse est non. Ça va être très difficile. Vous ne savez pas comment faire un gâteau de fromage, on vous dit, faites le gâteau de fromage. Voici les ingrédients. Qu'est-ce qu'on met avant? Qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on met en premier? Qu'est-ce qu'on met en dernier? C'est tout ce genre de questions qui vont faire en sorte que vous n'allez pas être en mesure de réaliser le projet de faire ce magnifique gâteau de fromage. Right? Donc, du coup, si vous avez la recette, vous êtes en mesure maintenant d'avoir le bon résultat.
et vous n'avez probablement pas eu cette recette-là auparavant. Ça, c'est quelques captures d'écran que j'ai fait sur ma page professionnelle Facebook, des clients qui ont des résultats de folie parce qu'enfin, elles ont eu la recette. J'ai par exemple Patricia qui dit qu'elle était confuse avant de travailler avec moi. C'est une organisatrice d'événements. Et en travaillant avec moi, elle a réussi à avoir un système d'attraction de clients qui fonctionne. Et c'est un processus clair et simple qu'elle peut appliquer. Du coup, maintenant, elle attire des clients de manière régulière. Elle n'est plus confuse sur la manière d'attirer les clients. Parce que lorsque vous recevez la recette, tout change pour le mieux. Vous devenez gagnant. Vous avez la recette. Vous avez juste à suivre la recette pas à pas. C'est tout. Et ça fait en sorte que vous commencez à gagner aussi de l'argent. Pas mal d'argent dans votre entreprise. Je sais que dans la francophonie, on n'aime pas trop parler d'argent. Mais soyons honnêtes. Plus on gagne de l'argent, plus on peut impacter le monde. Plus on peut aider, plus on peut construire des écoles, faire des dons, faire ce qu'on veut réellement faire. Right? Et en ayant la recette pour la création de clients simplifiés, vous commencez à gagner pas mal d'argent. Et aussi et surtout, vous avez plus confiance en vos habiletés. En vos habiletés en tant que coach, en tant que consultante, en tant que conférencière, en tant que prestatrice de services. Parce que les personnes, elles viennent à vous facilement et vous savez comment bien parler de ce que vous faites et comment aider vos clients. Donc ça, c'est vraiment, ça fait un gros boost à votre confiance. Et ça fait aussi un boost aux ventes, parce que faire les ventes devient en ce moment-là facile. C'est sans culpabilité. Vous n'avez plus peur de parler à un prospect ou de donner vos tarifs, right? Parce que aussi, vos différents outils marketing, site web, réseaux sociaux, email, etc., sont en place. Et tout ça font la pré-vente pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur votre page Facebook, par exemple, parce que vous savez comment communiquer, parce que vous avez la recette, ça fait une pré-vente avant même que je ne vous voie, avant même que je ne vous parle. Parce que je vais sur votre site internet, etc. Ça fait une pré-vente pour vous. Ça communique pour vous. Donc, vous n'avez plus besoin de vendre durant les appels de vente, par exemple. Vous avez juste besoin d'écouter profondément votre clientèle, lui poser les bonnes questions qui suscitent la réflexion et l'inviter à acheter ce que vous avez offert si c'est le bon choix pour elle. Est-ce que vous pouvez voir maintenant comment l'attraction des clients peut être un acte d'amour et de service profond? Juste parce que vous avez la recette. La recette qui vous montre comment faire. Et vous réussissez finalement à avoir un nouveau client constamment. Il y a des gens qui viennent chaque jour, tout le temps vers vous. Votre marketing fonctionne. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas, peut-être pas très bien, mais il n'y a pas si longtemps, je me trouvais probablement dans votre situation. En fait, j'avais souvent ce que j'appelle les réveils nocturnes, pas assez de clients. Je me réveillais souvent à 3 heures du matin, je me disais, oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire? Je me rappelle précisément de cette fois-là où mon entreprise, depuis presque 2 mois, n'avait pas vendu ou presque pas vendu. Je faisais moins de 1 500 $. Et cette fois-là, je me suis réveillée et j'avais rencontré une dame qui me parlait du fait qu'elle est à la recherche de quelqu'un. C'était à la garderie de mon fils. Elle m'a dit, écoute, si tu es à la maison et que tu as du temps, ça serait bien que tu viennes m'aider. J'ai besoin d'un employé. Et là, il fallait que je prenne la décision. Est-ce que je dis oui à cet emploi qui était quand même bien payé, que j'allais détester, c'est sûr, ou est-ce que je continue avec mon entreprise qui ne me paye pas? Et pendant ce moment-là, je restais presque une semaine où je me levais à 3 heures du matin tout le temps. Je restais assise en train de réfléchir. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais y arriver? Mon entreprise n'avait pas l'air de donner quoi que ce soit. Il n'y avait pas de clients qui venaient. Il n'y avait presque pas. Je réussissais à gagner très peu. Right? Ce que je réussissais à gagner était juste assez pour pouvoir survivre, même pas vivre. Ma situation financière reposait à 90% sur mon mari qui avec gentillesse, prenait soin de nous quand même. Mais je ne voulais pas être un poids pour un homme. Et je savais que je pouvais réussir par moi-même sans avoir besoin de travailler, mais je suis arrivée dans une phase de doute où je me posais la question de savoir que est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que cette entreprise, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est un signe que je devrais tout arrêter parce que ça ne fonctionne pas comme je veux que ça fonctionne?
Est-ce que je devrais dire oui à cet emploi? Et du coup, durant cette phase d'entune, j'ai appelé ma mère. Puis elle m'a dit, viens, tu ne dors pas. Et j'ai appelé ma mère parce qu'en ce moment-là, moi, j'étais à Victoria et elle est à Montréal, il y a 3 heures de différence. Et c'était Crétois à Montréal, 6 heures du matin. Je me dis, tu ne dors pas. Là, je lui dis, non, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois continuer avec cette entreprise ou pas. Je suis extrêmement confuse. Puis elle m'a dit, Eliane, s'il y a une chose que je sais sur toi, parmi tous mes enfants, s'il y a une chose que je sais sur toi, Eliane, c'est que chaque fois que tu veux quelque chose, tu trouves un moyen de l'avoir. Alors, si cette chose que tu veux faire, c'est cette entreprise-là que tu dis que tu te sens appelée à faire est quelque chose que tu veux vraiment, tu vas y arriver. Je n'en doute pas une seconde. Puis lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai eu une paix dans mon cœur qui est ancrée. C'est comme si une autre force, une paix d'esprit qui est ancrée en moi pour me dire « Oh my God, Eliane, t'es capable. » Du coup, je me suis levée et j'ai commencé à foncer. Et pas à foncer, à continuer à faire tout et n'importe quoi comme d'habitude, mais surtout à chercher une recette. Je me suis dit, comme toutes les choses sur cette terre, il y a une recette gagnante. Quelle est la recette gagnante? J'ai acheté plusieurs programmes, plusieurs formations, j'ai lu des livres, etc. Et j'ai fini par trouver cette recette gagnante. J'ai fini par réaliser que je n'y arrivais pas parce que j'essayais de copier les autres. Et je n'avais pas de système. Je n'avais pas de système en place. Et avec le temps, j'ai perfectionné mon système. J'ai réussi à ajouter mon authenticité. Et ça a fonctionné trop bien. Au point où, en quelques mois seulement, j'étais en pleine capacité. J'étais quittée de presque comme 1 000 et quelques euros à un mois de folie, right? Je me rappelle d'ailleurs, un mois où j'ai fait 11 jours au VRAP de travail. 11 jours de travail. J'avais fait 23 381 $ en liquidité qui est entrée dans mon compte. Je l'ai mis des captures d'écran ici, de compte Scribe. Tu peux voir le montant, le revenu, mais de mon compte PayPal. 24 391 $ en 11 jours, en travaillant 11 jours dans le mois. Tu sais, et en cours de route, j'ai documenté un peu le processus. J'ai peaufiné ce que je faisais. Et j'ai commencé à partager à mes clientes. J'ai commencé à partager aux gens autour de moi. Puis eux aussi, ils ont commencé à avoir du succès. Ils ont commencé à avoir des résultats. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est que est-ce que vous aimeriez que je vous montre quel est mon processus? Est-ce que vous aimeriez savoir c'est quoi le plan d'action? Yes? All right, voici les 5 étapes. La première étape, c'est l'auto-sélection. L'auto-sélection, c'est vraiment utiliser un marketing extrêmement clair, OK, qui permet aux personnes de se reconnaître comme votre client idéal. Un marketing super clair. Pour que les personnes, eux, ils lèvent la main et disent « C'est de moi que tu parles. Je me sens concernée par ce que tu offres. » Maintenant, le bon marketing agit comme un filtre pour vos clients idéaux. Et alors, ils lèvent la main, comme j'ai dit, déjà préqualifiés. Et par le bon marketing, je peux utiliser aussi la bonne communication. Savoir bien cibler la clientèle, savoir leur parler. Et ça fait en sorte qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas intéressées. Parce que ça repousse les clients qui ne sont pas de vous. Qui ne sont pas pour vous, je veux dire. Donc, une bonne communication, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que certaines personnes disent « Oh my God, tu parles de moi, Eliane, tu parles de moi, Céline. » Et d'autres disent, oh, tu ne parles pas de moi, finalement, c'est pas, tu n'es pas tout à fait le type de coach avec lequel je veux travailler. Donc, automatiquement, sans effort sans échanger votre temps, par exemple, sans avoir quelqu'un au téléphone, vous réussissez déjà à différencier ceux qui sont intéressés, qui vont éventuellement travailler avec vous, de ceux qui ne vont pas du tout travailler avec vous parce que ça n'écrit juste pas. Première étape, auto-sélection. Deuxième étape, c'est de servir. De réellement servir. Donc, vous proposez d'aider gratuitement les personnes qui s'auto-qualifient. Par exemple, pour ce webinaire, j'ai proposé, j'ai donné un tic, vous aider comment X, Y, Z. Vous avez dit oui. Je vous donne cette formation gratuite. Personne ne me paye pour ce temps ici, right? Donc, je sers les personnes qui sont auto-qualifiées. Plusieurs personnes sont venues sur la page de capture. Plusieurs personnes ont vu l'invitation pour ce webinaire. Et certains ont dit non. Et d'autres ont dit oui. Ça, c'était la première étape d'auto-sélection. Deuxième étape, je vous donne un contenu gratuit. All right? Maintenant, la manière de faire ce contenu gratuit, ça peut être une vidéo courte
une vidéo courte de 30 minutes témoin ou un webinar ou simplement un article de blog. Moi, j'aime beaucoup la formule des webinars parce que je trouve que je peux interagir avec les personnes. Mais peu importe qu'est-ce que vous choisissez, ça revient à la même chose. Un article de blog, si vous avez la plume de Molière et que vous écrivez extrêmement bien. Une vidéo de formation préenregistrée si vous ne voulez pas faire les choses en live ou un webinar que vous faites des choses en direct. OK? Donc, ça, c'est la manière de servir. Une fois qu'on a servi, on entre dans la troisième étape qui est inviter les personnes à un appel stratégique avec nous. Inviter les personnes à nous parler. Appel stratégique, c'est juste un mot compliqué pour dire inviter les personnes à communiquer avec nous. That's it. OK? On invite les gens à communiquer avec nous. Maintenant, on leur demande de vous contacter s'ils souhaitent une aide supplémentaire. Donc, avec la formation gratuite, après on dit, écoutez, comme là, je vous ai aidé à faire XYZ ou à résoudre X problème. Si vous voulez plus, je vous invite à un appel avec moi pour qu'on en parle de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, c'est le pré-appel stratégique, donc la pré-conversation. Avant de prendre quelqu'un au téléphone, avant d'accepter son coup de fil, il faut d'abord qu'ils entendent des autres avec lesquels vous avez travaillé. Donc, des témoignages. Right? Vous leur envoyez peut-être par email ou par message, ou peu importe le moyen que vous désirez le faire, vous envoyez des témoignages des autres. Que d'autres personnes disent, oh my God, Céline est géniale. Que d'autres clients avec lesquels vous avez travaillé dans le passé puissent parler de vous, que eux puissent lire cela. Comme ça, durant l'appel, vous n'avez plus à leur convaincre que vous allez les aider à avoir les résultats. Ils le savent parce qu'ils ont vu plusieurs personnes comme eux avoir des résultats. Donc, du coup, durant l'appel, c'est juste une question de est-ce que c'est le bon choix ou pas? Est-ce que c'est la chose dont j'ai besoin maintenant ou non? Et non, une chose de est-ce qu'elle peut vraiment m'aider? Right? Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Moi, je déteste cette position où je dois prouver au client que j'ai la solution à son problème. Non. Avec ces stratégies, tu n'as plus besoin de faire ça. Maintenant, l'étape 5, c'est de choisir votre client. J'ai utilisé le mot choisir de la bonne manière parce que c'est à vous de choisir bêtement. En fait, les rôles sont renversés. Le prospect sait que vous êtes la solution à son problème. Parce que vous appliquez bien ces étapes précédentes, il le sait. Il sait que vous êtes la solution. Votre matériel de marketing a parlé pour vous. Les étapes précédentes ont convaincu de cela. Donc maintenant, lorsque vous vous parlez, c'est à vous de voir si c'est le client avec lequel vous aimeriez travailler. Est-ce que c'est le type de client avec lequel vous pouvez vraiment aider à avoir de résultats? Right? Donc, vous choisissez maintenant de ne pas travailler avec tous ceux qui voudraient travailler avec vous. C'est un choix mutuel. Eux, ils ont choisi de travailler avec vous, mais maintenant, vous choisissez déjà. Est-ce que c'est vraiment le type de personne avec lequel je vais travailler? Est-ce que c'est vraiment le type de projet sur lequel je désire travailler? Vous choisissez. C'est un choix mutuel maintenant. Right? Et quand c'est un choix mutuel, l'énergie est différente. Vous êtes vraiment en confiance. Il n'y a plus de résistance. Vous êtes authentique. Et surtout, le résultat, si vous l'exécutez correctement, est que vous avez plusieurs nouveaux clients chaque mois qui viennent à vous. Et la meilleure partie de cela, c'est que vous saurez jusqu'au dollar près, au jour près, comment votre entreprise, comment les efforts marketing que vous faites ont performé. Parce que vous avez un système pour vous faire connaître, un système pour attirer des prospects qualifiés, un système pour convertir ces derniers en clients. Et c'est là que la magie se produit, en fait. En fait, votre entreprise est centrée à partir de ce moment-là sur la lumière. Vous servez tout en gagnant votre vie. Servez le client, vous gagnez bien votre vie. Vous servez, vous gagnez bien votre vie. Et visuellement, voici à quoi ça ressemble. Okay? Vous savez, ceux qui sont un peu comme moi, qui sont extrêmement visuels, et souvent, ça me prend du temps de comprendre les choses quand c'est un texte. Donc, grosso modo, en bas, j'ai mis le like ici pour dire qu'on va sur les réseaux sociaux. Okay? On va sur les réseaux sociaux, par exemple. On invite les personnes à passer par notre machine. Notre machine, c'est les étapes dont je vous ai parlé, les quatre premières étapes. L'autosélection, l'invitation, le service, invitation à l'appel, le pré-appel. Donc, c'est ça la machine ici. Finalement, vous arrivez à l'appel avec la personne et vous choisissez est-ce que je prends ce client ou pas. Parmi les gens que vous avez, il y en a qui vont te dire, disons que vous parlez à quatre personnes, par exemple, il y en a un qui vous dit oui, right, qui a acheté. Super. Vous prenez maintenant l'investissement que cette personne a fait,
et ça vous a donné l'argent, bien entendu, parce qu'au niveau de l'appel aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un processus. Et là, je n'aurai pas le temps d'entrer dans ce processus-là, mais un processus pour comment je dis gérer un appel de manière à ce que, un, vous soyez en confiance et de deux, mettre en confiance aussi le client au bout du téléphone. Donc, grosso modo, tout ça génère un montant d'argent. Donc, le client dit oui, il achète ce que vous avez offert. Et vous prenez maintenant l'argent, vous réinvestissez. Ici, je veux vous réaliser qu'il n'y a plus à pousser. Right? C'est, le système fonctionne pour vous. La seule étape où vous travaillez réellement, c'est peut-être pas, bon, pas travailler réellement, mais où vous échangez votre temps pour de l'argent, c'est lorsque vous êtes au téléphone. Okay? Donc, vous n'avez plus à pousser, à forcer, à travailler des nuits nocturnes et à faire des efforts constants et à parler, à chercher à convaincre les gens que vous êtes la solution. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous avez un système et ça fonctionne comme de la magie. Right? La magie, il y a un système pour que ça fonctionne et là, on sort un lapin du chapeau. Puis tout le monde est comme « Oh my God, man! » Right? Mais il y a un processus très clair que le magicien passe au travers pour avoir ce genre de résultat. OK? Donc, grosso modo, on prend le revenu que ça nous a donné précisément lorsqu'on a signé un client. On réinvestit. C'est là qu'on quitte maintenant pour entrer en publicité, par exemple. En publicité payante. Et on va réinvestir en publicité payante. On fait repasser le monde dans le système que je vous ai montré un peu plus tôt. Et là, ça produit maintenant de l'argent. OK? Puis on fait ça encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et là, vous avez une entreprise qui fait les multiples 6 chiffres, qui fait les 7 chiffres même. Et ce, de manière constante. Et vous n'avez jamais eu à vendre vraiment. Vous restez extrêmement fidèle à vous-même. Vous leur avez permis de se vendre. L'idée que travailler avec vous et de se convaincre que c'est la bonne chose. Vous permettez aux personnes de prendre la décision. Ils se vendent l'idée. Vous ne vendez pas l'idée que travailler avec vous est la meilleure solution pour eux. Eux, ils se vendent l'idée que travailler avec vous est la meilleure solution pour eux. Ils se convainquent que vous êtes la solution à leur problème. Right? Et c'est tellement génial. Et quand vous passez à travers ce processus, laissez-moi juste vous féliciter. Parce que vous changez la vie d'une autre personne. Vous avez changé la vie d'une autre personne parce que vous êtes engagé maintenant à devenir un meilleur entrepreneur de lumière. Et voici la bonne nouvelle. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous allez juste, vous comprenez que vous êtes en mesure, que vous allez être en mesure de juste attirer les clients de manière constante? Est-ce que vous pourrez vous habituer à cela? Est-ce que vous allez être en mesure de vous habituer à pouvoir faire des ventes constamment? Est-ce que pour vous, ça peut être votre nouvelle normale, votre new normal? D'avoir des clients qui vous disent plusieurs fois par semaine, oui, je veux travailler avec vous. Comme, oui, Lynn, j'ai vu ce que tu fais. Et je suis vraiment intéressée à travailler avec toi. Sans que vous ayez à convaincre qui que ce soit. Parce que lorsque vous avez toutes les pièces, l'auto-sélection, servi, invité en appel, pré-appel, choisi le client, et que vous les rassemblez, tout change pour le mieux. Right? C'est comme un puzzle qu'on fait juste mettre en place. Je vais penser avec Véronique, avec laquelle on s'est mis en 3 semaines. On a commencé à travailler en 3 semaines. Elle a réussi à quitter de 45 $, qui était ce qu'elle faisait à 5000 $. En 3 semaines. Puis ça, c'était les 3 premières semaines du travail qu'on avait fait ensemble. Les 3 premières semaines de nos travail ensemble. Right? Béatrice qui dit, comme avant d'avoir un processus, elle avait beaucoup de frustration parce qu'elle ne savait pas comment faire, comment s'organiser, les stratégies lui manquaient. Right? Les stratégies lui manquaient. C'est un bouleversement total maintenant pour elle parce que maintenant, elle sait comment faire pour avoir le client. Et demandez-vous en fait, comment ma vie changerait-elle si je commençais à avoir des résultats comme cela aussi? J'ai plusieurs clients présentement qui réussissent à avoir des entreprises qui font comme 10 000 euros par semaine. Donc, ils réussissent à le faire des lancements à multiples 6 chiffres. D'autres qui ont des mois à 5 chiffres, des mois qui font 10 000 euros et plus, 10 000 dollars et plus. J'ai une cliente, par exemple, Adélaïde, qui a réussi à faire sa première vente à 10 000 euros. Et lorsqu'on a travaillé ensemble, elle ne croyait même pas qu'elle pouvait vendre une offre à 497 euros.
Est-ce que vous pensez que ça peut être possible pour vous? Est-ce que vous arrivez à voir ça pour vous? Parce qu'il y a une nouvelle version de vous qui vous supplie d'émerger, right? Celle qui est confiante en l'avenir de son entreprise et qui crée des résultats comme cela. Est-ce que vous aimeriez avoir à ne pas réinventer la roue? Est-ce que vous aimeriez recevoir de l'aide pour mettre tout ça en place? Yes? Parce que ça peut être difficile de mettre tout ça. Là, je vous ai montré exactement le processus, mais je sais très bien que le faire tout seul peut être difficile, right? Ça peut être très compliqué. Je me rappelle d'ailleurs du témoignage d'Ingrid qui disait « Ce que j'apprécie beaucoup chez Yann, c'est qu'elle a cette capacité de nous faire nous poser les bonnes questions et d'aborder les points qui propulsent véritablement notre activité avec des résultats quasi immédiats lorsque nous sommes près de notre côté. » Puis, une ancienne cliente à moi, Jennifer, qui dit « Waouh, je n'ai jamais fait autant d'argent si peu de temps, Eliane. Je bénis encore Dieu pour tout ce que tu nous as appris. » Il y a encore une autre vente qui vient de rentrer et dit que c'est rien à côté de ce qui nous attend, ce qui nous attend dans le futur. En tout cas, mon mindset est boosté. Ou Linda, qui avait un super beau site internet, la difficulté à avoir des clients de manière constante et qui n'avait pas d'audience. Et en moins pas, à 11 jours, elle a réussi à avoir 9 nouveaux clients. 11 jours. Est-ce que vous êtes coach, consultant, prestataire de services? Est-ce que vous vendez des programmes, des cours en ligne ou des programmes en ligne? Si vous avez répondu oui, j'aimerais maintenant savoir, est-ce que vous aimeriez faire connaître votre entreprise? Est-ce que vous aimeriez créer des offres qui se vendent, générer des prospects qualifiés, être payé à votre juste valeur? Est-ce que vous aimeriez ne pas avoir à convaincre qui que ce soit que vous êtes la solution à son problème, mais à laisser votre matériel de marketing parler pour vous, faire le travail pour vous? Est-ce que vous désirez avoir un système d'attraction de clients en place et travailler avec des clients idéaux, surtout qui payent joyeusement pour vos services? Ils payent et ils se disent « Oh my God, merci Dieu pour la vie de Céline, par exemple. » Pourtant, ils vont payer. Si vous avez répondu oui à ces questions, j'aimerais juste vous dire que je suis à la recherche de mes clients de rêve, comme ces femmes exceptionnelles avec lesquelles j'ai travaillé. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes la suivante? Est-ce que vous êtes la suivante? Et j'ai une opportunité que j'offre présentement. Cette opportunité-là, c'est juste entrer en contact avec mon équipe et moi. C'est réservé uniquement aux coachs, aux consultants, aux prestataires de services. Okay? Ceux-là qui ont des cours en ligne, des programmes en ligne ou qui font du coaching, de la consultation. Et donc, l'offre, c'est quoi? C'est vraiment juste avoir un appel stratégique avec un membre de mon équipe. Et durant cet appel stratégique-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment vous aider à mettre en place votre système d'attraction de clients. Votre processus pour vous aider, pour vous aider à générer un CA de 100 000 euros ou 100 000 dollars et plus par année. C'est ça ma spécialité. Aider les femmes entrepreneurs exactement comme vous à faire plus de 100 000 dollars dans leur entreprise. Et si vous êtes en France, vous savez que 100 000 euros, n'est pas beaucoup. Parce que dans 100 000 euros, il faut payer à peu près comme presque la moitié au gouvernement. Donc, du coup, il faut générer minimum comme 300 000 ou 200 300 000 pour être vraiment à l'aise. Et dans ma spécialité, c'est de vous aider à faire ça. Alors, ma question, c'est est-ce que vous êtes la suivante? Maintenant, c'est pour qui cette opportunité de parler avec nous? C'est pour les nouveaux ou les actuels coachs, pour les consultants, les auteurs, les experts qui veulent travailler en ligne, les entrepreneurs qui sont dans l'industrie de services tels que les conseillers financiers, les sophrologues, les personnes qui savent qu'elles peuvent réellement aider les autres et veulent pouvoir dominer sur leur marché, les gens qui aimeraient vraiment aider les autres et qui attachent de l'importance aux résultats. Et ceux qui comprennent que seul le travail paye. OK? Ceux qui comprennent que seul le travail paye. Et pour qui est-ce que ce n'est pas? Parce que je ne veux pas tout le monde. On ne veut pas plein de personnes. On veut les bonnes personnes. Ce n'est pas pour les personnes qui ne sont pas dans l'industrie du conseil. OK? Ce n'est pas pour les personnes qui ne sont pas dans l'industrie du conseil. C'est aussi, ce n'est pas pour les personnes qui ont tellement d'excuses et qui passent le temps à se plaindre.
Ce n'est pas pour les personnes qui ne sont pas prêtes à agir et à obtenir des résultats. Ce n'est pas pour les personnes qui ne veulent pas faire croire que leur entreprise. Donc, si votre entreprise a un certain niveau et que vous êtes satisfait avec ce niveau-là, génial, cet appel n'est pas pour vous. Mais si vous êtes dans l'industrie du conseil, que vous voulez gagner plus de revenus, que vous voulez aller aussi chiffre, honnêtement, que vous êtes prêt vraiment à passer au prochain niveau, alors cette invitation est pour vous. C'est une invitation complètement gratuite en passant. Complètement gratuite. Juste qu'on se parle, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de notre aide, par exemple. Parce que plus vous ancrez dans les critères que je vous ai cités plus haut, plus il y aura des résultats. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut juste aider ceux que j'ai cités plus haut. Et je ne veux pas non plus que mon équipe et moi, on perde notre temps à prendre des appels avec des gens qu'on ne peut pas aider. Donc, si vous êtes coach, consultant, prestataire de services et que vous désirez propulser votre entreprise aux multiples chiffres exactement comme mes clients, vous avez juste besoin de prendre cet appel avec nous. On va mettre le lien dans le chat présentement pour l'appel. Cliquez sur le lien qui est dans le chat et prenez juste en bas et prenez ce rendez-vous avec nous. Right? C'est une session de stratégie personnalisée. C'est une session de stratégie personnalisée sur mesure entre vous et moi ou un membre de mon équipe. Vous allez peut-être avoir un appel avec moi ou un appel avec un membre de mon équipe. Peu importe avec qui vous avez l'appel, je vous promets que vous allez avoir un magnifique service. C'est un temps complètement gratuit. On va vraiment s'asseoir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place pour avoir des résultats concrets dans votre entreprise. OK? Et c'est là que nous commençons vraiment à travailler pour déterminer ce que vous voulez et comment y arriver dans les meilleurs délais possibles. Un avertissement, par exemple. Le temps est un facteur important et cette fenêtre d'opportunité ne sera pas ouverte longtemps. Donc, prenez le rendez-vous maintenant. Ça ne va pas vous attendre. Alors, juste cliquez sur le lien. Prenez ce rendez-vous-là. Puis, on pourra se parler, soit avec moi, soit membre de mon équipe qui est formée justement pour vous accompagner dans ce processus-là. Qui est formée pour vous aider vraiment à voir qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place. Vous êtes formée pour vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez avoir des résultats concrètement dans votre entreprise. Le lien est juste là. Vous allez sur Calendly/Eliane Gamier/stratégie. Maintenant, je vais voir s'il y a des questions pour moi. Hélène qui dit, je souhaiterais me lancer à mon compte. Je sens que c'est le moment que je dois me lancer à me mettre à mon compte. Mais je ne sais pas par où commencer. Mon contrat de CDD se termine en fin juillet et je veux me concentrer sur mon potentiel et mon avenir. Là, je te recommande vraiment de commencer. Lance-toi. Il n'y a rien de mieux, je pense, que de travailler pour soi-même. Il n'y a rien de mieux, je crois, que de vraiment faire ce qu'on aime, se donner à fond et impacter la vie des autres. Mais non pas où commencer, je te dirais la première étape, c'est vraiment d'identifier quel type de clientèle est-ce que tu veux servir. Deux, quel type d'offre est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment, concrètement? Quelle offre de service tu veux apporter aux autres? Et une offre de service, c'est simplement quel package, comment est-ce que tu veux servir les autres? OK? Trois, commencez maintenant à suivre le processus dont je t'ai parlé ici. À suivre le même processus de cette formation pour avoir tes clients. Mais avant d'y arriver, il faut vraiment que tu saches quelle est la clientèle que tu veux avoir. Comment est-ce que tu vas les aider? Comment est-ce que tu vas facturer, bien entendu aussi? Ou combien est-ce que tu vas facturer? Et par la suite, maintenant, tu suis le processus de cette formation. Tu vas facilement commencer à avoir tes premiers clients. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai pris rendez-vous pour demain. J'espère que vous l'avez accepté. Je suis dans plusieurs domaines, mais aussi dans le coaching et j'ai besoin de vous. Ginette, il n'y a pas de souci. Prends rendez-vous. Maintenant, la chose qu'il ne faut pas oublier, les filles, et je ne sais pas, lorsque vous prenez un rendez-vous, je ne l'ai pas dit, c'est que vous devez absolument remplir un formulaire. OK? Donc, après avoir pris le rendez-vous, il faut attendre quelques secondes. Vous allez être dirigé vers un formulaire et ce formulaire-là va maintenant vous donner plein de questions à remplir. Et une fois que vous remplissez ces questions, on va recevoir les réponses à vos questions et par la suite, on va valider vos rendez-vous ou pas. Bonjour, je suis prestataire de services dans l'esthétique. Fais-je partie de mon éventuel client? Fais-je partie de vos éventuels clients? Prestataire de services dans l'esthétique. Anne-Rose, pas comme dans mon entreprise, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes vraiment à monétiser leurs connaissances. Donc, si ça, il advient que tu désires créer,
par exemple, une formation, si tu veux travailler en ligne avec les connaissances que tu as en tant que prestataire de services dans les soins esthétiques, en ce moment-là, oui. J'ai par exemple Sorel, qui est une cliente à moi. Et Sorel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est dans l'esthétique aussi, mais elle a créé des formations où elle aide vraiment les personnes à soigner leur acné adulte. Et elle a une autre aussi, un autre accompagnement où elle aide les personnes à vraiment, je pense, lancer leur marque, lancer les marques de produits, créer les produits cosmétiques par eux-mêmes, pardon. Créer les produits cosmétiques par eux-mêmes. Donc, elle est dans le même domaine d'activité que toi, mais avec en ligne, en travaillant avec moi, ce qu'elle a fait, c'est plutôt utiliser sa matière grise, ses propriétés intellectuelles et la monétiser, au lieu d'échanger son temps pour de l'argent. C'est ce qu'on fait ensemble. Et là, elle a son activité physique, OK? Et elle a une activité en ligne. Et dans son activité en ligne, elle génère régulièrement aussi des ventes. Donc, si c'est dans ce sens-là, définitivement oui. Céline, moi, c'est dans le marketing de réseau, génial. Donc, encore une fois, on a mis le lien pour celles qui désirent en savoir plus, qui veulent travailler avec nous. C'est vraiment pour les coachs, les consultants, les prestataires de services. Ceux-là qui veulent monétiser leurs connaissances, qui veulent plus arrêter, qui veulent arrêter d'échanger leur temps pour de l'argent. Surtout, ça, c'est vraiment ça ma spécialité. Parce que mon désir pour vous, les filles, c'est de vous aider rapidement à atteindre une entreprise qui fait un CA de 6 chiffres. Et la manière de le faire, ce n'est pas en échangeant votre temps contre de l'argent. Il y a juste 24 heures dans une journée. Dans les 24 heures, dans la journée, on dort à peu près 8 heures. Dans les 8 heures, il nous reste quoi? 16 heures à peu près. Dans les 16 heures qui nous restent, il y a le temps pour prendre soin de la famille, des enfants, conduire pour le travail, etc. S'il faut échanger son temps pour de l'argent, on ne va pas s'en sortir, ou du moins sans stress. Okay? Et mon processus, c'est vraiment d'aider les femmes entrepreneuses exactement comme vous à gagner leur vie en travaillant 20 heures par semaine, qui est le nombre d'heures que je travaille dans mon entreprise par semaine. Et j'ai une entreprise qui tend très bientôt vers les 7 chiffres. Donc, 7 chiffres, ça veut dire le million passant. Je souhaiterais me lancer à mon compte, ça j'ai déjà lu cela, dit coucou Eliane, mon produit en ligne est pratiquement terminé. Est-ce que ma stratégie marketing et financière peut être mise en place maintenant? Définitivement, puis Lucilla et toutes les autres, vous n'avez même pas besoin d'avoir un produit en ligne terminé pour pouvoir travailler avec nous. Parce que quand tu viens travailler avec nous, Lucilla, on te montre comment créer une offre irrésistible, right? So, que tu as une offre prête ou pas, on va bousculer un peu ton monde, puis on va te montrer qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place. Quelle est la bonne offre que tu vas mettre en place? Comment est-ce que tu vas la facturer? Comment est-ce que tu l'amènes sur le marché? Comment est-ce que tu fais des ventes? Ceux qui me connaissent ou qui me suivent, vous pouvez aller sur mon profil Facebook et voir la tonne de personnes qui des témoignages de mes clients. J'en ai tellement des témoignages de mes clients, j'en partage presque tous les jours, qui réussissent à vendre leur offre et qui commencent souvent à partir de zéro ou qui commencent. La majorité de nos clients, eh bien, lorsque dans leur entreprise, soit elles commencent à partir de zéro, ou elles génèrent déjà 2-3 000 euros dans leur entreprise par mois et elles veulent vraiment aller au prochain niveau. Puis en l'espace de 6 mois, au moins, on les aide à vraiment aller à ce prochain niveau-là. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, pour celles qui sont intéressées, comme j'ai dit, le lien est juste en bas ou de juste cliquer sur le lien dans le chat qui a été déposé. Prendre rendez-vous. Une fois que vous prenez un rendez-vous, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page, c'est écrit appel stratégique. Vous sélectionnez le jour, disons jeudi, OK, 13h, c'est juste, on va prendre plus loin. Disons lundi prochain, 14h, confirmé. On fait confirmer. Là, vous attendez, OK, le rendez-vous a été pris, vous attendez. Et vous allez tomber sur cette page ici, l'étape 2. Il faut répondre au questionnaire pour réserver vos rappels. Et donc, vous remplissez le questionnaire et vous faites maintenant réserver vos rappels stratégiques. Si vous ne remplissez pas ce formulaire, vous n'allez juste pas avoir, votre rendez-vous va être annulé. On va vous envoyer des rappels par email et après quelques temps, on va annuler votre rendez-vous parce que ce formulaire est obligatoire pour que mon équipe et moi puissent se préparer à prendre un appel avec vous. All right? Donc, comme j'ai dit, maintenant, ici, au niveau du fuseau horaire, juste pour signaler les filles que l'heure que vous voyez ici, c'est l'heure locale. C'est votre heure locale à vous. OK? Donc, c'est par rapport à l'heure qui est chez vous. Si c'est 13h, ça va être 13h de France. Si vous voyez 13h, c'est que c'est à 13h à l'heure de France ou l'heure de Guadeloupe, peu importe où vous êtes, et non à l'heure du Canada. Et ceux qui veulent changer l'heure locale peuvent changer ici pour mettre le fuseau horaire qui leur convienne le mieux. All right.
Ce que je souhaite, c'est avoir plus de prospects sur mon site internet pour booster les ventes de mes produits. Super, Amrose. Du coup, je t'invite à faire... Il n'y a pas vraiment de questions que tu as posées, mais je t'invite juste à faire une promotion dans ce cas-là pour diriger les personnes qui sont à ton site internet. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Encore une fois, on va mettre le lien dans les commentaires. Mon assistante va mettre le lien dans les commentaires pour prendre le rendez-vous. Ou juste cliquer dans le bas de cette vidéo où vous allez voir postuler maintenant pour voir si vous êtes qualifié à un appel. Donc, je vais vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Juste m'assurer s'il y a d'autres questions pour moi. Si vous avez des questions et que vous avez oublié d'écrire, vous pouvez juste les écrire par la suite. En répondant à un des emails que je vous envoie, okay? Ou écrire à assistance@entrepreneur-à-succès.com, assistance@entrepreneur-à-succès.com. Ceci dit, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. J'ai hâte de pouvoir vous parler pour celles qui ont booké leur rendez-vous. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Merci les filles. Bye.